c'est parti. Donc, j'espère que vous avez regardé la première partie de ma vidéo. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté. C'est-à-dire que on a ces prosélytes qui veulent faire croire à qui veut l'entendre, d'accord, que, mashallah, les rabbins reconnaissent qu'en Genèse 17-20, c'est une réalisation de l'islam. On a vu l'envers du décor. Et pour preuve, eh bien, c'est qu'ils vont gratter auprès des rabbins pour essayer d'aligner les rabbins à leur propagande, en fait. C'est très intéressant. Donc, écoutez bien. Maintenant qu'on a vu que la nation d'Ismaël, qui a été prophétisée et qui ne s'est réalisée qu'avec l'islam, les musulmans et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et que cette nation-là, elle est issue d'une prière d'Abraham. Je peux donc vous poser ma question qui est la suivante. Monsieur Ravran Shaya, pensez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que l'islam sont faux alors qu'ils sont issus d'une prière d'Abraham que Dieu a exaucée? Autrement dit, pensez-vous que Dieu va exaucer Abraham en lui accordant une nation satanique? Donc, on a écouté un tartuffe d'internet dire, poser une question au Rav Ranchaya en disant, bon, vous reconnaissez que en Genèse 17-20, il s'agit de l'islam? Bien. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, en substance c'est ça, alors s'il vous plaît, regardez ça d'un bon oeil. Il pose la question, est-ce que vous pensez, si l'islam est faux, que Dieu susciterait ce type de nation-là à Abraham qui avait prié pour Ishmaël? En d'autres termes, est-ce que Dieu exaucerait Abraham en lui donnant une nation satanique? Il emploie le terme satanique. Monsieur Ravran Shaya, pensez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que l'islam sont faux alors qu'ils sont issus d'une prière d'Abraham que Dieu a exaucée? Autrement dit, pensez-vous que Dieu va exaucer Abraham en lui accordant une nation satanique? Donc, nos tartuffes ont bien conscience de la problématique concernant les rabbins. Et quand ils font leur propagande, ils s'accommodent de cette problématique-là. En disant, mashallah, vous avez vu, regardez, mashallah, les rabbins reconnaissent qu'en Genèse 17-20, eh bien, il s'agit de l'islam. Sauf que ce qu'ils ne disent pas à leur auditoire, et qu'ils disent par contre dans leurs questions auprès des rabbins, ben, c'est que les rabbins regardent la nation issue d'Ishmaël comme une nation satanique, selon les termes employés par notre tartuffe. Donc, ils jouent sur deux tableaux. Vous voyez? Ils jouent sur deux tableaux. Nous, on va répondre à ça, c'est-à-dire à sa question. Parce que c'est bien beau de mendier auprès des rabbins pour essayer de gratter une vision positive de la promesse faite à Ishmaël, mais je tiens à leur dire qu'ils ne verront rien du tout de la part des rabbins. Et on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. Et ça va aller en plus dans un sujet qu'ils ont abordé, et pour lequel ils n'ont strictement aucun problème à faire certaines identifications, comme on va le voir. Donc, on vient d'entendre un prosélyte musulman questionner un rabbin, à propos de la promesse faite à Ishmaël, c'est-à-dire qu'il lui dit, bon, vous reconnaissez que en Genèse 17-20, c'est réalisé par l'islam, mais, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez sérieusement que Dieu aurait suscité une nation satanique à Abraham en lui exaucant sa prière, quand il est dit que Ishmaël vive devant toi? Bon. Donc nous, on va répondre. Et ça va conforter, c'est là où c'est très intéressant, c'est que la réponse qu'on va leur donner et la question qu'ils ont posée va faire en sorte qu'on ne peut que renforcer l'identité d'Ishmaël comme partie intégrante du quatrième royaume de Daniel. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, ils peuvent se raccrocher à Ishmaël, à tort ou à raison, qu'importe, l'alliance est avec Isaac. Oui, Damien, sauf que la manière dont eux veulent présenter les choses, il faut bien comprendre, leur rhétorique. C'est qu'en fait, ils veulent appliquer la théologie de la substitution. C'est-à-dire qu'en fait, Genèse 17-20 va s'inscrire dans un processus, c'est une étape,
dans leur propagande, d'accord, pour faire croire que finalement l'alliance ira avec les musulmans, ira du côté de Ishmaël. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, Genèse 17, 20, ils ne vont pas le prendre en tant que tel, ils vont l'additionner avec d'autres versets, d'accord? Ils vont l'additionner avec d'autres versets, dont notamment Matthieu 21, 43, ok? Donc, ce soir, on va répondre à cette question à cette question posée au Rav Ranchaya, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez sérieusement que Dieu aurait suscité une nation satanique, d'accord, à une prière d'un patriarche? En substance, c'est ça. Et qu'on ne sorte pas le fameux verset « Oui, je bénirai quiconque te bénit et je maudirai quiconque te maudit ». Il ne s'agit pas des descendants, il s'agit d'Abraham en lui-même. Et lorsque ça concerne ses descendants, c'est réitéré à ses descendants. Vous avez la même chose pour Israël. Israël, on leur dit la même chose. Par contre, Ishmaël, il n'y a rien. Donc on ne sorte pas le verset du « Oui, quiconque te maudit, je le maudis, quiconque te bénit, je le bénis ». Ça ne concerne prioritairement que Abraham. Ça ne concerne pas les nations issues de lui. Et lorsque ça concerne les nations qui sont issues de lui, c'est réitéré à ces nations-là. D'accord? Et pour preuve, la femme de Ishmaël l'avait maudit. Est-ce qu'elle a été maudite pour autant? Non. Non. Elle n'a pas été maudite. Pourtant, elle avait maudit Ishmaël. Donc, là, on va regarder ce soir la question de est-ce que... Ah, excusez-moi, parce qu'en même temps, j'ai plein de notifications. Voilà. La question, c'est est-ce que Dieu va susciter un patriarche comme réponse à une prière d'une nation satanique? Et plus particulièrement, un des royaumes vus par Daniel. Bah, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que la question n'est pas de savoir si Dieu va susciter une nation satanique, mais c'est la question, c'est qu'est-ce que cette nation va faire des bénédictions qu'elle a reçues. C'est ça la question qu'il faut poser. Donc on va regarder ça. Eh bien, on a une... On a un indice au psaume 83. Et on voit les bénédictions, qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces bénédictions, les Ismaélites. Psaume 83, versets 1 à 8. Je cite. « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, donc contre Dieu. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Mob et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. » Donc, on a ici une coalition de nations qui font alliance contre Dieu et qui ont en haine Dieu. Et parmi cette coalition se trouvent les enfants, les descendants d'Ismaël. Donc, étymologiquement parlant, oui, les Ismaélites sont sataniques. Étymologiquement, Satan veut dire opposé, être dans l'adversité, d'accord, l'adversaire. Et bien là, le psaume 83 présente les Ismaélites comme des satans, comme des sataniques. Ils sont opposés, ils font alliance contre Dieu. Donc déjà, notre ami ne lit pas la Sainte Écriture. Mais on va continuer. Donc, pendant que nos amis veulent présenter sous un beau jour, d'accord, la promesse faite à Ishmaël d'un point de vue rabbinique, en fait, ils mentent, clairement.
hein, puisque ils disent ah mashallah, regardez, ils reconnaissent. Ils reconnaissent. Bon, non, ils ne reconnaissent rien du tout. Ils ne valident pas l'islam. Ils ne regardent pas l'islam comme religion de Dieu, issue de Dieu. Ils ne regardent pas. Enfin, non. Non, ils vont regarder la promesse faite à Ishmaël de la même manière qu'ils vont regarder Daniel 11, 14 et ils vous disent bah, regardez, c'est le Christ, c'est Jésus. Faut pas s'en réjouir. Voyez, vous ne verrez pas les chrétiens se réjouir du fait que les rabbins vont dire ah, regardez, en Daniel 11, 14, c'est le Christ. Et puis on va faire des vidéos à tout va pour dire ah regardez, les rabbins reconnaissent hein, qu'un verset s'applique au Christ. Non. Non, non. Non, non. Donc là, on va regarder un petit peu l'aspect négatif que ces prosélytes musulmans veulent cacher à leur auditoire et veulent cacher aux chrétiens. Donc on a vu dans la première vidéo, d'accord, que les rabbins considèrent, d'accord, que la nation musulmane fait partie du quatrième royaume, c'est-à-dire qu'ils sont regardés comme la partie d'argile, d'accord, du quatrième royaume. Là maintenant, on va regarder par rapport à la question de la bénédiction. Qu'est-ce qui sort de cette bénédiction? La question qui a été posée, c'est est-ce que Dieu va susciter une nation satanique comme réponse à une prière d'un patriarche? D'accord, quand il est dit que Ishmaël vive devant toi. Ok. Bah, on va prendre un exemple parallèle et on va voir ce qui va en sortir de cet exemple parallèle. D'accord? On va en Genèse 9. Genèse 9. En Genèse 9, on a le patriarche Noé avec ses fils. D'accord? Donc Ham, Shem et Japhé. Et voici ce qu'on peut y lire. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Donc Genèse chapitre 9, verset 1. Ok, on continue à partir du verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc on est dans le même ordre que la bénédiction faite à Ishmaël. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Shem, Cham ou Ham et Japhé. Donc là, on a les trois fils de Noé. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente, c'est-à-dire qu'il s'est mis nu. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères, donc à Shem et à Japhé. Alors Shem et Japhé prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, sur leur épaule. Marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Donc il a vu ce qu'avait fait Ham, ou Cham. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, je répète. Donc, Noé dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit Yahvé, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étendent les possessions de Japhé, parce que Japhé avait participé avec Sem pour recouvrir Noé. Donc Noé est en train de bénir ses deux fils et est en train de maudire celui qui a vu la nudité et qui l'a rapporté aux deux autres. Donc béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhé et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
Donc là, on a le patriarche Noé qui est en train de bénir, qui prie Dieu de bénir Japhé et Sem. Et il est en train de maudire, d'accord, dans sa prière, il est en train de maudire Cham, d'accord, qui va être le père par la suite de Canaan. Et on connaît l'histoire avec Canaan. Bon. Donc là, on a des fils, à l'instar d'Abraham, d'accord, on a un patriarche avec ses fils, à l'instar d'Abraham et ses fils. Enfin là, en l'occurrence, c'était uniquement Ismaël. Et juste après, il y a Isaac qui va naître. Mais le rapport va être le même. Donc on a Noé qui va prier pour ses fils. Et le seul des trois qui va être maudit, c'est-à-dire que ce que va dire Noé à propos d'un de ses fils va être négatif, eh bien le seul, ça va être Cham. Les deux autres, ça va être des bénédictions positives. Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japhé. Ah. Donc là, on est de l'ordre de la matérialité, pareillement qu'avec Ishmaël. Pareillement. Que Dieu étende les possessions de Japhé. Et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ok. Comment a été interprétée la bénédiction faite à Japhé? Vous allez voir. Les rabbins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand on va dans le Targum Néophyti, Targum Néophyti, comment ça a été interprété? Que le Seigneur élargisse les frontières de Japhé. Donc là, il est question d'étendre son territoire. D'accord? Ça nous renvoie à la question, d'accord? Ça nous renvoie à la question de grande nation. Qu'il étende les frontières. Ok. Ensuite, dans le Targum pseudo-Jonathan, on a, à propos de cette bénédiction, Dieu fera des descendants de Japhé des convertis. D'accord? Puisqu'il est dit, Dieu magnifiera les frontières de Japhé et ses fils seront convertis et habiteront dans les écoles de Shem et Canaan sera leur serviteur. Alors là, les écoles de Shem, c'est les synagogues. Ok. Donc, on a le Targum Néophyti qui nous dit qu'il va y avoir élargissement des frontières, donc une étendue territoriale. Donc ça nous renvoie à la question de grande nation. D'accord. Ensuite, on a dans le Targum du pseudo-Jonathan non seulement la question de l'étendue territoriale, mais en plus il est question des descendants devenant des convertis à Dieu. Ok. Et troisième bénédiction liée à cette prière de Noé, d'accord, que Dieu étende les possessions de Japhé, eh bien on l'a dans le Talmud de Jérusalem, quand il est dit. Rabbi Simon ben Gamaliel a dit, pour la loi, donc pour la Torah, la seule langue étrangère permise pour rédiger la Torah est le grec. Il est écrit en Genèse 11.1, il arriva que la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Ces derniers mots superflus sont interprétés par Rabbi Eliezer et Rabbi Yohanan. Selon le premier, donc Rabbi Eliezer, le texte veut dire qu'il parlait 70 langues tout en se comprenant tous. Selon l'autre, il parlait la langue de l'unique monde, la langue sainte, donc l'hébreu. Bar Kappara déduit des mots en Genèse 9, 27, donc ça nous renvoie à la question de la bénédiction de Noé sur Japhé. Dieu élargira les biens de Japhé et il demeurera sous les tentes de Sem, que l'on parlera la langue de Japhé sous la tente de Sem. Et un peu plus loin, dans ce même passage du Talmud de Jérusalem, il est dit: selon Rabbi Simon ben Gamaliel, est-il dit, la seule langue étrangère permise pour la transcription du rouleau de la loi est le grec, car après examen, on a observé que le texte de la loi peut le mieux être traduit suffisamment en grec. Donc on a trois bénédictions autour de la prière faite à Japhé. On a
extension territoriale, on a conversion, c'est-à-dire que les descendants de Japhet deviendront des craignants Dieu, d'accord ? Et la langue de Japhet sera une langue sainte. À cet égard, je vais vous citer le rabbin Eli Ben Amozeg qui dit que les paroles de Japhet soient entendues dans les tentes de Sem, et c'est pour qu'on ne puisse pas objecter qu'il faut comprendre aussi les langues de Gomer et Magog, qui étaient des fils de Japhet, d'accord, autre fils de Japhet comme Javan, qu'il est écrit Japhet Elohim les Japhet, c'est-à-dire que la plus divine des langues de Japhet soit reçue sous les tentes de Shem. C'est-à-dire que la bénédiction concernant la langue, d'accord, parce que Japhet va avoir plusieurs fils, dont Magog et Gomer et Javan. Javan est considéré comme on va le voir, le père des Grecs. Et donc, on va nous dire, pour pas justement qu'on dise que la langue permise issue de Japhet sont les langues de Gomer et de Magog, on va jouer sur les termes employés dans le verset, à savoir Japhet Elohim les Japhet ou Japhet. Et donc ça nous renvoie au nom de Javan, d'accord, et pas Magog et Gomer. Ok. Le passage choisi est un texte antérieur à la promulgation de la loi. Il est prononcé par Noé, père commun de tous les hommes, et s'adresse à toute l'humanité. La plus belle langue de la gentilité, donc du monde païen, du monde non-juif, est présentée comme destinée à servir elle aussi d'idiome sacré sous les tentes de Sem, qui ne sont autres que les synagogues. Ça, c'est le rabbin Eli Ben Amozeg qui vous le dit. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dieu va susciter à Noé des bénédictions de sorte à voir en Japhet, et donc ses descendants, des nations sataniques. Il est question d'élargir le territoire, il est question de prendre la langue de Japhet, et plus particulièrement celle de Javan, des descendants issus de Javan, comme langue sainte pour composer la loi écrite, et il est question de convertis. Est-ce que Dieu va susciter, va laisser une nation satanique issue de ses bénédictions ? Ben, on va le voir. Qui sont les descendants de Japhet ? Qui sont les descendants de Japhet ? Je vais citer François Lenormand et Elisabeth Chevalier, qui vont nous dire « Il est universellement admis comme descendants de Japhet en Europe, les Grecs et les Romains, les Germains, les Celtes, les Scandinaves et les Slaves. En Asie, les Perses et les Médès, les Bactres et les plus hautes castes de l'Inde. » Donc je répète, qui sont les descendants de Japhet qui a reçu toutes ces bénédictions ? Il est universellement admis comme descendants de Japhet en Europe les Grecs et les Romains. Donc Grecs, Romains. Les Germains, les Celtes, les Scandinaves et les Slaves. En Asie, qui sont les descendants de Japhet en Asie, les Perses et les Médès, les Bactres et les plus hautes castes de l'Inde. Donc parmi les descendants de Japhet, on a les Grecs, les Romains, les Médès, les Perses. Ok. On a, dans le Bereshit Rabba, 36.8, il est dit. Il dit, béni par le Seigneur mon Dieu soit Shem, et que Canaan soit son esclave, que Dieu élargisse Japhet et le laisse habiter dans les tentes de Shem, et que Canaan soit son esclave. La bénédiction de Japhet se réfère à Cyrus, qui décréta que la maison du sanctuaire soit rebâtie. Donc ça veut dire que là, la bénédiction pour le Bereshit Rabba se réfère, la bénédiction faite à Japhet se réfère à Cyrus, qui était le roi de Perse. Donc là, il laisse entendre que parmi les descendants de Japhet, il y a les Perses. Okay. Dans le Talmud de Babylone, traité Yoma 10a, il est dit « La Guémara demande, d'où dérivons-nous que les Perses descendent de Japhet ?» La Guémara répond «
Comme il est écrit, les fils de Japhet furent Gomer et Magog, et Madaï et Javan, et Tuval, et Meshresh, et Tiras. Et Meshesh et Tiras. Genèse 10, verset 2. La Gemara enseigne. Gomer, c'est Germania. Magog, c'est Candia. Madaï, c'est la Macédonie. Macédonie. Javan, en accord avec sa signification, la Grèce. Tiras, Rav Yosef enseigne, Tiras, c'est la Perse. Donc on a la Macédonie ou la Macédoine, la Grèce, la Perse, qui sont les descendants de Japhet. Dans le Targum de Néophyti, pareil, on nous dit, voici les généalogies des fils de Noé. De Noé, pardon, parce que là c'est en anglais. Shem, Ham et Japhet. Et les fils qui furent nés de eux après le déluge. Les fils de Japhet, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshesh et Tiras. Et les noms de leurs provinces. Phrygie, Germania, Germanie, Médie, Médès, Macédonie, Bithynie, etc., etc. Donc là encore, dans le Targum Néophyti, on a Médie et Macédonie ou Macédoine, qui est lié au monde grec. Ok ? Et Médie, qui est lié au monde perse. Donc, on a, en Genèse 9, un patriarche qui fait une prière à Dieu pour bénir ses fils, Japhet et Sem, ou Shem. Concernant Japhet, il est dit que Dieu élargisse Japhet. Ok. Comment a été interprétée cette bénédiction par les rabbins? Premièrement, extension territoriale. Que Dieu élargisse les frontières de Japhet. Deuxième bénédiction, que Dieu suscite de Japhet des convertis. Ok. Troisième bénédiction, la langue des descendants de Japhet, et plus particulièrement par le biais de Javan, sera utilisée comme langue sainte pour rédiger la loi, la Torah. Donc on a ces trois bénédictions. Donc là on se dit, comment Dieu pourrait susciter une nation satanique de la prière, à partir de la prière faite par Noé à propos de Japhet? Bah, moi ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le professeur de ces tartuffes. D'accord ? Et vous allez voir qu'ils se auto-réfutent eux-mêmes. Alors là, ce qu'on va écouter, c'est leur approche de la prophétie de Daniel des quatre royaumes. D'accord ? Dans leur dawa. Ils veulent faire croire que le fils de l'homme, déjà, c'est Mohammed. D'accord ? Et que la pierre détachée de la montagne, c'est l'islam. Ok ? Et regardez bien ce qu'ils disent à propos des quatre royaumes de Daniel au chapitre 2 et au chapitre 7. Écoutez bien. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire à propos du deuxième et troisième royaume de Daniel. Les royaumes perses ont raison. Ce n'est pas l'Empire romain. Les royaumes qui a succédé à celui de Nabucodonosor, d'abord au départ, c'était un royaume constitué de deux peuples, qu'on appelait l'Empire ou le royaume médo-perse, parce qu'il était constitué des Mèdes et des Perses. Il y a Darius Ier qui était Mède, mais qui était en même temps l'oncle de Cyrus le Grand. Ils ont constitué un royaume, deux peuples qui ont formé un royaume. C'est pourquoi on vous dit, le second royaume est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent, c'est-à-dire deux peuples qui se réunissent et en font un royaume. Et ce second royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par un ours qui marchait en boitillant un peu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en boitant ou... En boitant, excusez-moi. Hey, c'est...
C'est-à-dire, excusez-moi, hein, je voulais dire que le second royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par un ours qui marchait en boitant. N'est-ce pas? Et donc, quand l'ange a expliqué cela au prophète Daniel, il a dit que le pouvoir finira par revenir définitivement aux Perses. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, après la mort de Darius Ier, Cyrus le Grand a pris le pouvoir. Donc, c'était devenu simplement l'empire perse. Aujourd'hui, Iran. Ou bien l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le royaume qui a succédé à celui des Babyloniens. Et la prophétie nous dit, après le second royaume, il y aura un troisième royaume qui succédera au second. Et ce royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par le ventre et les cuisses d'airain ou cuivre. Et dans la seconde prophétie, elle est symbolisée par un léopard qui a quatre têtes et qui a quatre ailes. Qui ont succédé aux Perses? Oui, c'est vrai. Ça, ce sont les Grecs avec à leur tête Alexandre le Grand. Donc, on a écouté une première vidéo de leurs professeurs qui nous disent, d'accord, que le deuxième et troisième royaume de Daniel sont respectivement les Perses et les Grecs. Pourtant, ils sont issus d'une personne qui a été bénie. Que Dieu élargisse Jaffé. Et on a vu quel est le sens, selon les rabbins, de cette bénédiction. Extension territoriale des nations, des prosélytes, d'accord, des descendants qui vont devenir prosélytes, et langue sacrée pour composer la Torah. Et pourtant, ils n'ont aucun problème à dire que le troisième royaume de Daniel, ce sont les Grecs. Et deuxième royaume, les Perses. Pourtant, ils sont issus d'un fils qui a été béni par un patriarche. Dieu a exaucé la prière d'un patriarche. Et on les voit finir comme deuxième et troisième royaume de Daniel. Donc, la bénédiction faite sur Ishmaël ne signifie rien quant à la finalité. Au contraire, vous venez en acceptant le deuxième et troisième royaume de Daniel comme étant respectivement les Perses et les Grecs, vous venez de conforter Ishmaël comme étant membre du quatrième royaume. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils font du takbir. Allahu Akbar. On va écouter une deuxième vidéo pour être sûr qu'on entend bien, comme quoi je ne divague pas. D'accord? On va les réécouter. Je pense qu'il faut. Alors, Doc, on est tout oreille. Ouais. Question après question, c'est vous-même qui avez la réponse. Oui, oui, c'est-à-dire pour identifier ces royaumes qui ont été symbolisés par les. Là, quatre... maintenant, on mène une enquête. Oui, oui, par les. Minutieuse. Quatre... Oui, par les quatre métaux dans Daniel chapitre 2, et qui correspondent aux quatre bêtes de Daniel chapitre 7, il y a un point de départ de l'exégèse qui nous a été donnée par le prophète Daniel lui-même. Lorsque s'adressant au roi Nabucodonosor, il lui a dit, « C'est toi qui es la tête d'or de la statue. » Le premier royaume était symbolisé par la tête d'or de la statue. Et ce royaume, c'est le même qui est dans le chapitre 7, représenté cette fois-ci par un lion ailé. Et nous savons que le lion ailé fait partie du symbolisme des Babyloniens. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Donc, le prophète Daniel nous donne le point de départ pour connaître les royaumes. Un repère d'importance. Repère d'importance capitale. Il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Donc ça montre clairement que le premier royaume, c'est l'empire néo-babylonien. Maintenant, il nous a déjà indiqué les repères. Il dit, le premier royaume, c'est l'empire néo-babylonien. Le second, c'est quel royaume? Quand nous regardons dans l'histoire, mais qui ont succédé aux Babyloniens? L'histoire nous montre clairement que ce sont les Mèdes et les Perses qui ont succédé aux Babyloniens. C'est clair. Alors, donc là, nous voyons le deuxième royaume, l'empire médo-perse. Et on dit, après, donc cet empire médo-perse est symbolisé maintenant au septième chapitre par l'ours qui marchait en boitillant. Et la prophétie, on nous montre clairement qu'après que les Mèdes aient fondé une union, aient constitué une union, après la mort de Darius, les Mèdes, Cyrus prendra le pouvoir. C'est pourquoi par après, c'était devenu seulement l'empire perse. Parce qu'on voyait l'ours marcher en boitillant. Voilà, donc il nous dit lui-même, il avoue lui-même que l'histoire montre que le royaume qui a succédé à celui de Nebuchadnezzar, c'est l'empire médo-perse.
Donc l'histoire montre que c'est l'empire médo-perse. Ok ? Qui est considéré comme issu de la descendance de Japhé, qui est béni. On continue. Et puis on dit, après le deuxième royaume, il y aura un troisième royaume. Mais qui ont succédé aux Mèdes et aux Perses ? L'histoire nous montre clairement que ceux qui ont succédé aux Mèdes et aux Perses, ce sont les Grecs, avec à leur tête Alexandre le Grand. Donc là, encore une fois, on a leur professeur qui dit que l'histoire montre que le troisième royaume de Daniel, c'est le royaume grec, qui est issu de Japhé, qui est béni. Qui est béni. Et pourtant, ils finissent deuxième et troisième royaume de Daniel. Donc, la bénédiction en tant que telle ne veut strictement rien dire. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ces nations vont faire de ces bénédictions ? Quand vous regardez l'interprétation rabbinique à propos de Genèse 17-20, et même avant, on nous explique très bien, d'accord, à propos par exemple du verset que Ishmaël vive devant toi, d'accord, on a deux interprétations. Il y a celle de Rashi qui dit que Ishmaël vive devant toi, c'est-à-dire qu'il soit dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il soit un converti, d'accord, qu'il soit dans la voie de Dieu. Et Narmanin n'est pas d'accord. Lui, quand il regarde le contexte, il dit non, ça veut dire simplement, comme il avait peur que Ishmaël meure par rapport à la question de l'héritage, parce qu'il faut bien prendre le contexte en compte, il n'y a qu'un seul héritier. D'accord, par rapport à ce que Dieu avait promis à Abraham, il n'y avait qu'un seul héritier. Et il laisse entendre que l'héritier d'Abraham sera Isaac, qui n'était pas encore né. Ishmaël était déjà là. De facto, ça s'est connecté dans la tête d'Abraham. Il s'est dit, si c'est mon futur enfant qui n'est pas encore né, qui va naître, qui va hériter, ça implique que Ishmaël va mourir. Parce que c'est lui l'aîné. C'est lui l'aîné. Donc normalement, l'héritage lui revient. Or, tu me dis que c'est le cadet qui va recevoir l'héritage. Ça veut dire donc que mon aîné va mourir. Donc s'il te plaît que Ishmaël vive. Et donc Dieu suscite la promesse en disant oui, il va vivre à travers une postérité, il va vivre. C'est tout. Et on va le voir ça avec la deuxième partie de ce live. Donc là, on vient de voir, avec une question, la question de la bénédiction, que non, le fait que quelqu'un soit béni de Dieu ne veut strictement rien dire. La question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que Dieu va susciter une nation satanique ? La question, c'est qu'est-ce que cette nation va faire de cette bénédiction ? C'est tout. Et nous, de notre point de vue, c'est très clair. Négation totale. Négation totale. On l'a vu, c'est un royaume antichrist. Et les rabbins vont dans ce sens, en identifiant Ishmaël comme étant, comme faisant partie du quatrième royaume de Daniel. À l'instar des Grecs et des Perses, qui sont issus, d'accord, des enfants d'un patriarche, un des enfants qui a été béni. À l'instar de Ishmaël. Voilà. Donc ça ne veut strictement rien dire le fait que Ishmaël soit béni. On le voit avec Japhé. Ses descendants finissent en deuxième et troisième royaume de Daniel. Et vous le reconnaissez.